Bonjour chers amis, bonjour la Guadeloupe, bonjour la Martinique, bonjour la Guyane et tous ceux qui peuvent nous voir beaucoup plus loin grâce à une antenne satellite. Aujourd'hui, mon ami, le vôtre maintenant, vous le connaissez bien, le docteur Louis Berthelot, qui est avec nous à la Martinique pour 24 heures et qui a eu la gentillesse de venir encore une fois nous parler de son expérience. Et il m'a proposé de parler aujourd'hui de la pilule. Alors, la pilule pour les femmes. La pilule contraception, utilisée depuis fort longtemps, avec des avantages, des inconvénients, il nous parlera de cela. La pilule de quatrième génération, qui a causé quand même quelques soucis au corps médical ces derniers mois. Il va tout nous dire. Merci de nous écouter, de nous regarder. Alors, je remercie en plus aussi ceux que je rencontre dans les rues de Fort-de-France, qui me saluent, qui me demandent des conseils, qui me parlent, qui souhaitaient que je traite de certains sujets. Je reste toujours à votre disposition. Je vous rappelle mon adresse mail, hein, ma.jeanmarie en un seul mot, il n'y a pas de trait d'union, @hotmail.com. Docteur Berthelot, bonjour. Bonjour, Marius. Alors, Docteur Berthelot, et vous savez que c'est quand même un praticien particulier, différent. Et si jamais vous parlez de la pilule aujourd'hui, c'est pas pour rien, parce qu'il s'intéresse beaucoup à la périconception et à la conception. Mais ce sera l'objet de notre sujet. Oui, donc je pense que ce qui est intéressant, vous avez soulevé un problème intéressant sur la pilule. D'abord, on peut se demander à quoi sert la pilule, quel est le but de prendre une pilule ? Le premier but, effectivement, de prendre une pilule, c'est effectivement de ne pas avoir de conception. Ça va passer au gyno, hein. Au gyno, c'est un peu plus dangereux. Voilà. Donc, c'est une technique, hein, avec... c'est pas la seule méthode contraceptive, mais on va surtout parler de la contraception orale, et dont fait partie la pilule. On considère globalement que 9 femmes sur 10, au cours de sa vie génitale, va prendre ou va rencontrer la pilule. Donc c'est quand même énorme, quoi. 9 femmes sur 10. 9 femmes sur 10, au moins une méthode contraceptive dont la pilule. Voilà. 9 femmes sur 10 avant le premier enfant. Je ne parle pas avant le premier enfant, je parle dans sa vie génitale. Dans sa vie génitale. D'accord, donc c'est énorme. Ouais. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que la pilule est quand même le moyen de contraception qui est le plus utilisé, c'est quand même 60% de femmes. Donc c'est quand même en tête, c'est pour ça qu'on en parle, c'est le leader mondial de la contraception. Et puis après il vient le stérilet et puis d'autres techniques contraceptives, les implants, les dispositifs intra-utérins, etc. Donc c'est quand même une méthode importante. Alors ce qui est important, qu'on peut déjà définir des caractéristiques un peu globales d'une prise en charge par la pilule, elle doit être efficace, c'est le but recherché, hein. Ouais. Donc si vous ne voulez pas d'un enfant, qu'elle soit efficace. Et ça, je pense que la pilule, à partir du moment où les indications ont été bien posées, que les contraintes, entre guillemets, sont respectées et qu'elle est bien prise, oui. Je crois que c'est une technique, je dirais, de contraception qui est efficace. Je me permets de vous interrompre. Alors, vous disiez que les indications soient bien posées. Est-ce que dans les centres que l'on trouve dans les communes ou dans les régions de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, où des jeunes filles peuvent aller en plein anonymat, comment ça se passe là? Je pense que oui, et on reviendra sur le débat qu'on peut avoir à ce propos-là, mais je pense que oui. Hein. Pour moi, c'est de toute façon, si vous sous-entendez, est-ce que c'est un acte médical? Oui, c'est un acte médical, ouais, à part entière, mmh, avec aussi, je dirais, une démarche, un déroulé, et un dialogue, un interrogatoire et une prise en charge. Donc ça... Je crois que c'est incontournable. Donc si on revient sur les... On reviendra dessus parce que c'est une question très importante que vous soulevez. C'est vraiment un acte médical. Donc elle doit être efficace. La deuxième chose, c'est qu'elle doit être inoffensive. On appelle ça l'innocuité. C'est-à-dire que je la prends, je n'ai aucun risque pendant lequel je la prends. Donc c'est pour ça que les indications doivent être pesées en fonction de la pilule, en fonction du terrain. Donc inoffensive. Le troisième critère important, c'est que ça doit être réversible. Parce que si je prends une pilule... hypothèse, et que après je l'arrête et elle continue à faire de l'effet, voilà. Donc ça doit être réversible. C'est voilà. Donc ce sont les critères. Et puis quatrièmement, ça doit être d'un coût qui doit être modeste. C'est une prise en charge maintenant. C'est-à-dire? C'est remboursé par la sécurité sociale. Toutes les pilules ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Alors pourquoi alors?
Ça, c'est un autre débat. Voilà. Ça, c'est encore un autre débat. Mais pour que tout le monde puisse avoir accès à cette contraception. Si, je veux dire que même si ce n'est pas remboursé, c'est d'un coût qui est modeste. Oui, d'accord. D'accord ? Pour une efficacité remarquable, mmh. comme je vous ai dit. Mmh. Et après, c'est en fonction de qui et surtout savoir l'innocuité. Donc ça, je crois que c'est important à savoir. Pourquoi, voilà. Pourquoi il y a plusieurs pilules ? Parce que de l'autre côté de l'écran, nous voulons savoir pourquoi il y a des pilules qui sont moins chères que d'autres. Est-ce que celles qui sont plus chères sont plus efficaces ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? Ça, c'est encore notre débat de la recherche, et avec, avec les molécules. Mm. Mais ce qu'il faut retenir globalement, c'est un, c'est que dans une pilule, alors ça peut être peut-être technique, ouais, il y a, simplifier, simplifier. Voilà, on va essayer de simplifier, c'est qu'il y a deux molécules, mm. on va dire ce qu'on appelle des œstrogènes et des progestatifs. Là, tout le monde sait ça chez nous. Ici. Voilà, ok. Donc ça, c'est une première chose. Et là, à partir de ça, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais la molécule qui est l'œstrogène, elle, elle est fixe, elle ne change pas. La molécule qui est le progestatif, lui, peut changer. D'accord. Et c'est à partir de cela qu'on a parlé de pilules de première génération, en fonction du progestatif, de deuxième génération, de troisième génération, de quatrième génération. Voilà. Et puis après, il y a d'autres choses techniques qui vont être des pilules séquentielles biphasiques. Mais déjà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux molécules à l'intérieur, un œstrogène, un progestatif. Et quand on parle de génération de pilules, première génération, deuxième génération, troisième génération, quatrième génération, où il y a eu effectivement le gros problème avec les troisièmes et les quatrièmes, c'est en fonction du progestatif. Voilà. Donc ça, c'est important à savoir au niveau des générations. Oui. Vous voyez, toutes les informations que vous venez de donner là, c'est génial. Voilà, c'est important. Bien sûr. Et on sait qu'on a eu énormément de problèmes avec les pilules dites de troisième génération et de quatrième génération. Pourquoi ? Parce qu'elles entraînaient un phénomène qu'on appelle une inflammation de bas grade. Et une inflammation de bas grade, ça fait le lit de toutes les pathologies possibles, d'accord ? En fonction de la vulnérabilité du terrain. D'accord. Donc ça, il faut le savoir. Alors, pour nos téléspectateurs, est-ce que vous pourriez expliquer ce que peut être une inflammation de bas grade ? Simplifiez, s'il vous plaît. Vous savez, quand vous allez vous balader, eh ben, moi je vais dire à la pointe des châteaux. Ouais. Bon, voilà, c'est ce que je connais très bien. Il nous fait le coup guadeloupéen. Voilà, mais je vous fais le coup de. Je vais vendre un Guadeloupe. Ben, je vais me balader à la pointe des châteaux. Je vois effectivement la mer qui fait le sac, comme on dit, et le ressac en permanent. Et puis, vous voyez très bien qu'on voit la falaise qui accueille apparemment cette mer qui va et vient. Si je reviens 10 jours plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, à moins que j'ai pris des repères, je ne vois pas grand-chose, mais j'imagine petit à petit, je vois que la falaise qui était là, elle est là. Elle est là. Il y a une érosion. Il y a une érosion progressive. Sans que ça se sente, sans que ça se voit. Mais la réalité, elle est là. Si on prend des repères, elle est là. Donc ce que je veux dire, c'est que cette inflammation, elle ne se voit pas. Le premier critère, c'est qu'elle ne se voit pas. Il faut oublier ce qu'on connaissait de l'inflammation, qui était la rougeur, la chaleur, la douleur. Vous comprenez ? Ça, ces critères qui étaient les critères de l'inflammation, qui sont toujours les critères de l'inflammation. Aigu. D'accord ? C'est pas la même chose. On parle bien d'inflammation chronique de bas grade. Ça veut dire, tout doucement, pendant des jours, des semaines, des mois, vous allez avoir ça à l'intérieur du corps qui va faire effectivement des dégâts. Et un jour, comme on dit, un bout de falaise s'écroule. Eh bien, un jour, la problématique arrive en fonction de quoi ? En fonction de la vulnérabilité de mon terrain, c'est-à-dire de mes prédispositions familiales, d'accord ? D'où l'intérêt toujours de toujours faire un interrogatoire poussé. Je vous prie de croire que vos patientes à la Martinique, à la Guadeloupe aussi, très certainement, en Guyane, quand elles vont rentrer dans les rues de Fort-de-France, de Pointe-à-Pitre, elles vont vous sauter au cou parce que vous venez de donner une explication qu'elles n'ont jamais eue, cher ami. Ben, je peux le concevoir, je peux le concevoir. Mmh. Et c'est ça la difficulté. C'est qu'on peut suspecter une inflammation de bas grade, d'accord ? Mais cliniquement, elle est difficilement confirmable, si je peux dire ce mot, d'accord ? Donc, pour la confirmer,
on est obligé de passer par, effectivement, par la biologie. Mais cette inflammation, elle est néanmoins présente. Et en principe, c'est un phénomène qui est un phénomène naturel, le phénomène inflammatoire. Mm-hmm. Simplement, il se passe dans le corps deux choses. Soit qu'on n'a pas les outils pour l'arrêter, soit parce qu'il y a un phénomène causal qui entretient l'inflammation. Dans le cadre, là, on parle de pilule, c'est la pilule. Donc tant qu'il n'y aura pas le retrait de la pilule, la personne va continuer son inflammation. Et compte tenu qu'elle n'aura pas de signe clinique, ni de douleur, ni de chaleur, voilà, ni d'œdème, tout ça, elle va prendre en toute bonne foi, finalement, cette pilule sans s'en rendre compte. Alors, vous me direz, vous m'avez dit que c'est un acte médical. Ouais. Et si on fait un acte médical, on devrait rechercher cela. Il faut faire un bilan. Et pourtant, on fait un bilan. Parce que c'est vrai, pour moi, c'est un acte médical. D'accord ? Donc, il y a ce qu'on sait et ce qu'on a découvert, en fait. C'est un acte médical dans lequel, effectivement, il y aura un interrogatoire pour poser l'indication de la pilule, connaître les antécédents de la personne, ses propres antécédents. A-t-elle déjà pris une pilule? A-t-elle déjà pris un moyen de contraception? Pourquoi veut-elle changer? Ou pourquoi veut-elle l'arrêter? Y a-t-il des antécédents, je dirais, de prise de médicaments? Y a-t-il des antécédents, surtout au niveau thromboembolique, des phlébites? Y a-t-il des antécédents familiaux? Y a-t-il des problèmes cathètes? Donc, il y a tout un interrogatoire qui va être fait. Et puis, au décours, après cet interrogatoire, il y aura un examen clinique, prise de tension, taille, poids, on va déterminer tout ça. Et on va, à ce moment-là, expliquer à la personne les tenants, avantages, les inconvénients de la pilule. Et puis, ça va être une adhésion. Quels sont les inconvénients? Les inconvénients majeurs de la pilule, c'est le risque de phlébite. D'accord? Et puis, on va faire un bilan qu'on appelle un bilan métabolique, où on va demander une évaluation au niveau des paramètres glucidiques, une évaluation au niveau des paramètres lipidiques. Donc voilà ce qu'on doit faire. Et quand on a fait ça, c'est de la pratique, de bonne pratique de santé, ce que nous recommande la Haute Autorité de Santé. Mais jamais ils ne nous recommandent de rechercher, là, une inflammation. Donc, ça ne fait pas partie du protocole. Ça ne fait pas partie. D'accord ? Donc on va rechercher, même dans l'interrogatoire, est-ce que cette personne a déjà eu des enfants ? Est-ce que finalement, pendant sa grossesse, a-t-elle eu des problèmes de diabète gestationnel, d'hypertension gravidique ? On va rechercher tout ça. On va faire un examen clinique complet d'un interrogatoire, un examen clinique somatique de présence, un examen biologique, d'accord ? Et on va à ce moment-là dire, il n'y a pas de problème de cholestérol, il n'y a pas de problème de triglycérides, il n'y a pas de problème de diabète. Et on va donc donner la pilule. Et 3 mois plus tard, on va contrôler. Si c'est bien, on recontrôle de façon régulière. Alors, régulièrement, vous avez des femmes qui disent qu'elles sont retournées voir leur gynéco ou le médecin généraliste qui leur a prescrit la pilule parce que la pilule ne leur convient pas. Alors, il faut entendre déjà la question de sémantique. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'on entend par elle ne convient pas? Ou elles sont bousculées. C'est quoi? Je ne sais pas. Il faudra mettre des mots. Des mots. Voilà, vraiment, souvent, réellement. Souvent, on entend ça. Hein. Oui. Donc, je lui ai demandé de me changer la pilule parce qu'elle ne me convient pas. Alors, pendant un moment, il y avait une pilule qui était très à la mode, il y a une vingtaine d'années, qui avait des résultats intéressants sur les problèmes de peau. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Oui, parce qu'on appelle ça qu'elle avait un climat particulier, donc ça avait duré une tendance vers plutôt le côté hormonal, vers un côté hormonal. Ouais. Donc, cette pilule a été très prescrite. Elle est d'ailleurs avec des indications précises. Et après, elle est devenue une pilule qui était une pilule banalisée dans la contraception. Voilà. Mais pour toute pilule, il faut avoir, moi je dis, la même rigueur. D'accord, on a parlé beaucoup de celle-là, mais pour toute pilule, il faut avoir la bonne rigueur. Donc, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas une inflammation de bas grade. Donc, comme je viens de vous dire, cliniquement, on ne voit rien. Et même si on a fait, je dirais, le bilan classique, c'est là où je dis qu'il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. D'accord ? Et aller plus loin, c'est demander au minimum, une CRP, c'est-à-dire qui est un marqueur de l'inflammation, ultra sensible, qui est un marqueur de l'inflammation de bas grade. Pas une CRP classique, une CRP ultra sensible. Alors pourquoi? Donc on a des marqueurs biologiques qui nous permettent de dire ça. Parce qu'ils vont poser la question qui se pose de l'autre côté. Ils ont déjà eu sous la main, nos patients, et nos patientes en particulier, des bilans avec des CRP qui ne sont pas des CRP US. Alors, quelle différence vous faites pour eux?
pour elle. Bah, de la même façon que pour certaines personnes qui ont eu des problèmes avec leur thyroïde, d'accord, on leur demandait avant une TSH, c'est-à-dire une thyrostimuline hormone. Voilà. Maintenant, on ne demande plus cela, on demande une TSH ultra sensible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la capacité de détecter la moindre petite particule de la matière qu'on recherche est beaucoup plus facile à trouver que si on fait quelque chose de non sensible. D'accord? Donc on détecte la moindre petite chose qui se met en place. Donc on ne se sert plus de TSH. Pour moi, voilà. D'autant plus que c'est un examen qui est remboursé, qui ne coûte pas plus cher à la sécurité sociale et qui donne des indications qui sont nettement plus performantes et majeures par rapport à la CRP classique. Donc maintenant, qui se sert d'une TSH classique? Non, tout le monde se sert d'une TSH ultra sensible. Vous pouvez croire que vous êtes en train de dire des choses. Là, en ce moment, je suis en train de voir des femmes qui sont allées chercher leur bilan au fond de leur tiroir en train de regarder. Elles ont une TSH classique. Il y en a toujours. Des CRP. Vous voulez dire des CRP classiques, pas des TSH classiques, plus personne ne l'a prescrit. On ne prescrit plus que des TSH ultra-sensibles. Bon, ce n'est pas le thème du jour. Ouais, non, mais j'ai eu sur la main ce matin un bilan qui date du mois de décembre avec une TSH. Mais je pense que c'est que de l'ultra-sensible maintenant. Il ne prend même plus le temps de le marquer. C'est devenu, j'espère, parce qu'on ne dose même plus une TSH normale. Donc la CRP, c'est ce marqueur-là. Voilà. L'inflammation. Bon, pourquoi? Parce que la pilule, on a bien vu qu'elle avait des risques. Des risques thromboemboliques, première chose. On va revenir sur les différents risques de la pilule, mais celui-là, c'est un risque majeur. Risque d'hypertension. Risque de cholestase, c'est-à-dire de dysfonctionnement au niveau hépatique. Risque de lithiase. D'accord? Mais dans les risques thromboemboliques, ça peut être aussi bien une embolie pulmonaire, ça peut être une phlébite, ça peut être un accident vasculaire cérébral, ça peut être un infarctus. Donc la pilule a des risques métaboliques. C'est pour ça qu'on recherche ces risques métaboliques. Mais moi, je pense que ce qui est important, c'est que dans les problèmes cardiométaboliques, il y a le problème cardiométabolique, mais il y a souvent cette inflammation de bas grade qui fait le lit parfois, ou un facteur favorisant, ou un facteur aggravant de cette problématique métabolique. Voilà. Donc ça, en plus, c'est pour ça que je dis qu'en plus de notre examen classique, parce que c'est une prise en charge, je vous dis, pour moi médicalisée, de l'attention, de l'auscultation, et puis il y a une chose importante, moi je dis que c'est un examen médical, le gynécologue fait, et puis moi je pense qu'on doit faire un frottis cervico-vaginal. Voilà. Donc on fait un examen complet et on fait la biologie classique, dans laquelle on recherche cholestérol, triglycérides, glycémie à jeun. Et puis, il faudrait rajouter, moi, je pense, de base, une CRP ultra-sensible. Voilà. Ça permettrait de savoir, y a-t-il inflammation ou pas d'inflammation? Y a-t-il un problème de dysglycémie ou pas? Y a-t-il un problème de dyslipidémie ou pas? Et puis, quand on prend la pilule, ben, on fait un contrôle 3 mois plus tard et on voit, est-ce que la pilule a entraîné une variation par rapport au départ? Et à partir de ce moment-là, ben, s'il y a variation, eh ben, ça peut être, on va changer de pilule, ça peut être une contre-indication. Et s'il y a une inflammation? Ben, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, quel type d'inflammation. Voilà. Et là, on va rentrer dans des bilans qui sont des bilans qui sont plus poussés pour comprendre ce qui se passe et regarder des marqueurs plus performants tels que le rapport ApoB sur ApoA1. Regarder est-ce qu'il y a une ferritine qui peut être un marqueur indirect de l'inflammation au niveau hépatique. Regardez ce qui va se passer au niveau de ce qu'on appelle le HOMA et le CRIKI, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un début de problème au niveau du diabète, etc., etc. Donc, il y a vraiment des marqueurs à aller regarder. Parce qu'on est très surpris de découvrir des choses sur un terrain qui apparemment n'est pas encore malade, où il n'y aura pas encore de dysglycémie, mais de voir qu'il y a des insulinorésistances qui s'installent. Et quand l'insulinorésistance qui s'installe, ça veut dire que ça va faire le lit dans 15 à 20 ans plus tard, ou peut-être moins, d'un diabète qui va nous éclater à la figure. Quand une femme décide d'arrêter la pilule, quel est le risque qu'elle a qu'il n'y ait pas une pérennité de l'action de la pilule? Risque pratiquement, on peut dire, zéro. Elle peut être enceinte après. Oui. Le problème de la pilule n'est pas que ça va empêcher d'être enceinte, c'est que, compte tenu que je viens de vous dire, qu'elle va aussi solliciter au niveau hépatique, parce que c'est, ah là ça c'est important ce que vous venez de me faire dire et qui me revient, c'est, faut oublier qu'on dit pilule, on s'imagine bonbon, hein.
C'est un médicament. Là, il faut vraiment dire, c'est un médicament. Ça veut dire que dès qu'il y a un médicament, il va falloir qu'il soit métabolisé. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il soit donc pris, deux, assimilé, trois, distribué, c'est-à-dire transformé, et le foie va jouer un rôle capital. Intestin-foie va jouer un rôle capital. Et n'oubliez pas que je vous dis que la pilule peut, elle, toute seule, entraîner des problèmes de cholestase, c'est-à-dire des difficultés de fonctionnement du foie, et peut entraîner des lithiases biliaires. Donc il faut s'assurer que la personne n'ait pas déjà ces problèmes-là. D'accord ? Et même en ne les a pas, elle peut les avoir, en fonction de sa vulnérabilité. Donc il faut que le foie fonctionne très bien, parce que la pilule va avoir cet accès. Donc il faut connaître, je dirais, les inconvénients de la pilule. Donc, si cette personne a des problèmes avec la pilule, il faut l'arrêter, ok. Mais la pilule, même si apparemment il n'y a pas de problème, pour pouvoir métaboliser la pilule, on va donc demander, il y aura donc un coût, un effort. Et ça peut entraîner des déficits en bêta-carotène, en certaines vitamines du groupe B, etc. Donc, ce qui est important, ce n'est pas de dire « je ne peux pas tomber enceinte après la pilule ». Je vous ai dit qu'elle doit être innocuité, elle doit être efficace et elle doit être réversible. Elle rentre dans ses caractéristiques. On ne peut pas dire que la pilule n'a pas ça. Vous arrêtez la pilule, vous pouvez tomber enceinte 15 jours plus tard, un mois plus tard. Je dis, vous pouvez. Je dis, vous avez intérêt d'abord à faire un bilan pour voir est-ce qu'il n'y a pas eu un coût, si vous n'avez pas eu plein de déficits, des déficits en vitamine B9, des déficits en zinc, des déficits en B12. D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est hyper important quand vous faites un enfant, aussi bien l'homme que la femme, que tous ces minéraux soient dans leur statut idéal pour que cette grossesse d'abord soit bien portée, elle aille à son terme, et pour que cet enfant ne fasse pas ce qu'on appelle des problèmes de programmation métabolique avec des risques futurs. Donc, ce n'est pas, je dirais, impossible de tomber enceinte tout de suite, mais ça se prépare, d'où la nécessité, hein, comme m'a dit certains grands professeurs en gynéco, de faire ce qu'on appelle toute femme qui prend une contraception, c'est une future mère en puissance, donc de faire une consultation de périconception, ça veut dire bien avant la conception, la continuer pendant la conception et après la conception. C'est ça qu'on appelle la périconception, c'est pas que préconception ou co-conception, c'est périconception, ça veut dire ça s'occupe de toute la grossesse, bien avant, pendant et après. Alors ça c'est le projet de grossesse. Ça c'est le projet de grossesse. Mais toute femme qui prend une pilule, potentielle, je veux dire, peut avoir un projet de grossesse. Ah, la pilule de 24 heures. C'est encore une autre chose. Voilà, c'est encore une autre chose. Vous n'allez pas arriver à avoir des risques brutaux. Ouais. Non, moi, ce que je dis dans la problématique du risque, c'est vraiment la répétition de quelque chose qui peut passer inaperçu. Voilà, vous prenez une cuite, entre boire 10 verres de vin tous les jours et sans être ivre, c'est complètement différent. Voilà, vous allez, même s'il y a un choc, l'organisme va avoir récupéré. C'est souvent la répétition de choses qu'on ne va pas voir et que sur un bilan classique, je dis, peut passer complètement inaperçu. Mais quand je dis complètement, mais c'est complètement inaperçu. Jusqu'au jour où ça éclate. Ah ben comme la falaise, hein. Ouais. Jusqu'au jour où elle s'écroule. Elle s'écroule. Voilà. Ça c'est très clair. Alors, les pilules de quatrième génération, les dernières, c'est surtout le phénomène de l'inflammation de Bagrane. La troisième et les quatrièmes. Hein. Donc, ça ne veut pas dire qu'on les a enlevées sur le marché. Hein. On doit les poser l'indication. Voilà. Mais je pense que toutes les pilules, je crois qu'il ne faut pas diaboliser, focaliser sur troisième, quatrième génération. Toutes les pilules peuvent entraîner des problèmes. D'accord ? Donc, on revient à cette notion. C'est un acte médical pour lequel il faut faire un véritable examen, pour lequel il faut faire la biologie classique, standard, pour être assuré qu'il n'y a rien. Parce qu'on sait très bien que dès qu'il y a apparition, je dirais, d'une dyslipidémie supérieure à un certain taux, dès qu'il y a apparition d'une certaine augmentation des triglycérides supérieure à un certain taux, dès qu'il y a dysglycémie ou apparition d'un diabète, on arrête la pilule. Donc, si on peut suspecter bien avant que les choses sont en train d'arriver, eh bien, on va l'arrêter avant que la problématique n'apparaisse. D'accord ? C'est bien ce que je vais faire comprendre. Donc, il y a le bilan, je dirais, tiens, de l'état qui montre que bien quelque chose n'est pas bon du tout. Et il y a le bilan, je dirais, du terrain qui va nous dire, tiens, ce terrain, ben, quelque part, il a des difficultés à supporter la pilule et sa tendance ne va pas très bien. Donc ça, c'est important à regarder. Et on peut regarder ça de façon tout à fait différente,
Alors qu'apparemment, je dis bien, alors qu'apparemment, il ne se passe rien. Et il y a des marqueurs qui sont des marqueurs importants. Bon, on peut savoir, on en a déjà parlé, des années avant, si vous risquez de faire un diabète. Donc si la pilule, dans votre cas, a tendance à vous donner une insulino-résistance, elle a toutes les chances de vous donner un diabète. Donc, parfois, il faudra donc, chez certaines personnes, dire, madame, la pilule vous donne un risque métabolique tel, qui est un risque d'avoir un diabète dans les... Hein, insulino-résistance et risque de diabète, donc il faudra trouver un autre moyen de contraception. D'accord ? C'est ça qui est important. C'est pas se dire, j'attends que ça apparaisse, c'est quelles sont les techniques, et il y en a, qui permettent de dire, de prévenir, c'est-à-dire de voir ce qui se passe en dessous, pas ce qui se passe au-dessus. Parce que quand ça se passe au-dessus, bon, c'est visible. Donc, je dirais qu'il y a longtemps que le marteau-piqueur a fait quelques dégâts en dessous. Alors, est-ce que les bilans vont décider du choix de la pilule, sûr. Et puis, il y a aussi sur le marché des pilules où les femmes vont voir arriver leurs règles au bout de 28 jours, comme un cycle normal, et des pilules où il y aura l'absence des règles. C'est pas ça le problème. C'est toujours la même chose. C'est cette molécule qui est un corps étranger, qui est donc un médicament, comment je l'assimile, comment je le métabolise. C'est parce qu'il faut savoir qu'il y a plus de 40 à 50% de gens qui n'ont aucun problème avec la pilule, en apparence et en réalité sous-jacente. Voilà, la seule chose qu'il y a, c'est que vous ne pouvez pas faire sur l'apparence le distinguo de celui qui va avoir un problème et celui qui ne va pas l'avoir. Donc il ne faut pas dire la pilule, il ne faut pas la prendre, c'est pas bon. Non. Moi, quand je dis que la pilule, il ne faut pas la prendre parce que j'ai un bilan, je vois la réalité du terrain, comment il est en train de se faire. Voilà, et c'est tout. Donc ce n'est pas ça qui est important. C'est d'abord... L'indication, elle est posée, elle est bien posée, le médecin fait bien son travail, je dirais le professionnel de santé. Mais ce que je veux soulever, c'est cette partie sous-jacente qu'on ne va pas chercher et qui peut effectivement donner matière à pathologie plus tard. Alors, en même temps, on peut avoir un accès à un bilan de santé qui nous autorise à voir ce qui pourrait se passer. Mais c'est-à-dire que déjà, moi, je pense que par curiosité, je dirais simplement déjà médicale, intellectuelle et médicale, c'est de se dire de faire déjà une CRP ultra-sensible. Oui, d'abord, c'est de base. Pour moi, je dirais, c'est pas la haute autorité de santé ne l'a pas mis, mais moi, je dis qu'il faudrait la mettre. D'accord ? Voilà. OK ? Voilà. La deuxième chose, c'est que c'est pas parce que la personne... je dirais, apparemment, on n'a pas de bilan classique perturbé, qu'il ne se passe rien en dessous. Et ce que vous dites était vrai, c'est ces gens qui arrivent et qui vous disent ils sont pas traques, ils ont des bizarreries. Alors on peut dire que c'est dans leur tête, d'accord ? Mais s'ils disent... Non mais on peut dire, j'ai pas dit que moi je dis ça. On peut dire. Mais après, on peut se dire, tiens, allons comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Et il y a des bilans qu'on appelle des bilans d'imprégnation œstrogénique. Parce que la pilule va entraîner un effet d'imprégnation comme si on était enceinte. Mais ce n'est pas la même chose. Donc la pilule va... Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est regarder si l'état d'imprégnation œstrogénique est un état d'imprégnation œstrogénique normal ou un état d'imprégnation œstrogénique atypique. Et à partir de cela, vous allez dire si c'est normal... Bon, ben, on continue, ok, on va surveiller qu'il n'y ait pas de déficit pour faire en sorte que ça se passe bien. Parce que c'est ce que je vous dis, il y a plein de gens qui prennent la pilule et il n'y a pas de problème, d'accord ? Mais si on est sur une imprégnation œstrogénique atypique, alors là, il faut se dire d'abord quel type d'imprégnation œstrogénique atypique, ok ? Et puis en fonction de ce type, parfois ce sera de changer de pilule, parfois ce sera changement de mode de contraception. Ça veut dire on va quitter la pilule pour trouver un autre type de contraception qui peut être le stérilet, etc., etc. Donc, ça va nous donner des indications. Et pas toujours, réjouissant à dire à la personne, de dire, tiens, vous ne devez plus prendre la pilule, il faut... Voilà. Donc ça, on peut le savoir avec un bilan qu'on appelle le bilan d'imprégnation œstrogénique, qui regarde aussi bien les risques au niveau dyslipidémique, qui regarde les risques encore au niveau inflammation de bas grade,
qui regarde les risques au niveau de ce qu'on appelle le phénotype A ou B. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les LDL, d'accord, le risque au niveau du cholestérol n'est pas uniquement lié à la quantité de cholestérol. Le risque est lié à la taille et à la densité du cholestérol. Donc plus les molécules de cholestérol sont petites et denses, plus le risque, je dirais, d'avoir un risque métabolique ou un risque athéromateux ou cardiométabolique est important. Donc on voit ça, ce qu'on ne voit pas dans une prise de sang classique. Et puis vous avez en plus la ferritine qui est important à aller regarder. Pourquoi ? Parce que c'est un marqueur inflammatoire et qui peut être un marqueur à lui tout seul d'une inflammation hépatique. Donc ça veut dire que la pilule demande un tel effort, c'est-à-dire c'est quand on a fait beaucoup d'efforts, on finit par avoir des crampes ou des courbatures. Donc c'est un petit peu ça qui se passe au niveau du foie, mais tout le temps. Hein. Les courbatures, vous vous reposez, puis ça va redémarrer. Là, mais vous continuez la pilule, donc ça continue, mais sans que vous vous en rendez compte. Et puis, vous avez un élément important qu'on dose, qu'on appelle une autre protéine de l'inflammation, qui est la protéase inhibiteur. Et alors là, quand elle est élevée, c'est pas bon ça. C'est-à-dire, non seulement c'est pas bon, c'est qu'il y a une vraie inflammation hépatique. Deuxièmement, il y a un risque thromboembolique. Donc on peut voir des choses bien avant qu'elle arrive. Un risque, ça veut pas dire que vous allez le faire. Mais ça veut dire que vous avez plus de chances de le faire que si vous ne l'avez pas élevé. D'accord ? Et puis après, vous avez les risques au niveau du diabète. Donc on va voir si vous avez une insulinorésistance à travers ce bilan. Donc on va beaucoup plus loin sur les tendances du terrain. Et c'est ça qu'on appelle les déviances possibles que peuvent amener la pilule. D'accord ? Et puis il y a des gens, même ce bilan est impeccable. Non seulement le bilan classique est impeccable, et le bilan de terrain est impeccable. Continue la pilule. Problème. Pourquoi vous allez les embêter ? Il n'y a pas de... s'il n'y a pas de risque, il n'y a aucune raison. Voilà. Alors, quand ces femmes se retrouvent avec un risque énorme, il faut changer la contraception. Parce que la pilule, c'est du confort, hein, quand on ne l'oublie pas. Mais c'est du confort. C'est pas un confort. Hein. C'est-à-dire que quand elles viennent le chercher, c'est qu'elles ont un vrai but. Elles ne veulent pas. D'abord, ça peut être la poule à grossesse, ça peut être par rapport au rapport, ça peut être aussi parce qu'elles ont des troubles du rythme, des règles, des douleurs, des syndromes prémenstruels. Ben, elles peuvent avoir aussi des problèmes de mastodynie. Donc la pilule peut avoir différentes indications. Oui, et a des avantages. Ouais. Voilà. On parle surtout dans les cas où la femme veut avoir une contraception. Voilà. Alors. Je dirais que c'est du confort pour elle parce qu'elle prend son médicament oui. Et elle est protégée. Et on va lui dire, c'est comme le cas du jeune homme que nous avons traité hier soir, on va lui dire, vous ne pouvez plus prendre la pilule, il faut une autre forme de contraception. Oui. Or, elle n'a pas encore eu d'enfant. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez lui proposer? Alors moi, je discute avec mes confrères gynécologues, voilà. Ouais. Et voilà, récemment, vous parlez d'un cas, et c'était effectivement une nulle part. Et il m'a dit qu'il pose des stérilets spéciaux pour nulle part. Voilà. Donc il y a des choses, moi, au niveau de ce niveau-là, je n'ai pas l'expertise. Ouais. J'ai l'expertise pour pouvoir aller regarder risque ou pas risque de la pilule. Mmh. Après, sur le choix à faire, ça dénote de l'expertise du gynécologue, avec lequel effectivement, bon, j'ai des confrères avec lesquels je travaille, ouais. que je ne cesse d'interroger, voilà, et qui d'ailleurs m'envoie du monde par rapport à cela, ou se sensibilise, je dirais, à cela. Donc, il y a après des techniques. Encore faut-il savoir qu'aucune technique ne doit être imposée à la personne qui est en face de nous, à la patiente. C'est un dialogue, parce que toute chose a des avantages et des inconvénients. Tout a avantage et inconvénient. Maintenant, c'est est-ce que l'inconvénient, je peux le vivre, comme je vous l'ai dit, je l'accepte. C'est pour ça que je vous dis que lorsqu'on fait un choix dans la pilule, il y a aussi un autre phénomène qui est l'acceptabilité. C'est-à-dire, j'accepte finalement de prendre la pilule ou j'accepte notre moyen de contraception. D'accord. Donc c'est important. Parce que la pose du stérilet, c'est aussi la création d'une inflammation. C'est l'entretien d'une inflammation de bas grade. Ouais. D'accord. Mais vous avez des stérilets avec hormones, des stérilets sans hormones. Et donc, vous pouvez à ce moment-là poser un stérilet sans hormones. Mmh. D'accord. Donc, vous avez des choix, d'accord. Mais c'est important de savoir. Et puis, parfois, ce sont des petits phénomènes inflammatoires. Et puis, en changeant d'ostroprogestatif ou de climat, c'est-à-dire d'équilibre au niveau des différentes parties œstrogènes constituantes de la pilule, vous pouvez réussir en fonction, je dis bien, en fonction des perturbations atypiques. Mais il y a des perturbations qui sont tellement importantes au niveau atypique que c'est l'arrêt
de la pilule qui va entraîner, je dirais, l'arrêt du trouble. Donc il y a des fois, c'est la décision, c'est arrêt de la pilule et choix d'une autre, notre méthode contraceptive, à part l'abstinence, d'accord? Merci. Il y en a qui ont essayé, ils n'ont pas marché. Voilà, voilà, à part l'abstinence. Donc il faut trouver quelque chose qui va convenir à cette personne, qui ne sera pas dangereuse pour sa santé, qui soit efficace, avec une innocuité, qu'elle accepte, etc. Toujours entrer dans les mêmes critères. Ouais. Oui, parce que les femmes en ce moment, avec tout ce qu'elles entendent et ce qu'elles lisent, vous savez que les revues font de la médecine de bureau, hein, et elles lisent sur les vagins, sur les journaux, le stérilet plutôt que la pilule. Donc c'est très très bien qu'aujourd'hui vous puissiez démystifier un petit peu toute cette divulgation d'informations erronées. Moi je pense que toujours, comme tout peut avoir un inconvénient, c'est toujours fonction. C'est quoi? Vous voyez, c'est comme l'histoire de l'écrou et du boulon. Si vous prenez le boulon avec le mauvais écrou, vous pouvez toujours dire, voilà, c'est un con de boulon, c'est, voilà, on peut, voilà. Non mais, on peut toujours diaboliser tout. Je dirais, mais après, c'est sur quoi on se base pour dire, c'est pas une question de diaboliser. Dire, ou moi je veux pas, pour d'autres raisons, éthiques, religieuses, tout ce que je ne veux pas de pilule, c'est à respecter. Et mais il y a aussi des fois où je veux la pilule, et puis biologiquement, c'est pas compatible. Donc c'est pour ça que ça va passer toujours par un entretien, un interrogatoire, un examen clinique. Après, la recherche de savoir est-ce qu'il y a déjà d'emblée un risque visible. Parce que s'il y a un risque visible, elle a déjà fait une faiblesse, elle a déjà des antécédents familiaux avec des facteurs de corps. Voilà. Les gens vont faire attention. Et puis si en plus, finalement, son bilan est perturbé, elle a des triglycérides au plafond, ben, on va dire warning. Maintenant, elle n'a rien de tout ça. Eh ben, on va se dire, ben, on lui donne la pilule, puis on va dire, ben, on va aller regarder en dessous, d'autant plus facilement, comme vous dites, que si elle revient en disant, ouais, depuis que je prends la pilule, rien de grave ne se passe dans sa vie, mais elle sent quelque chose. Donc vous allez regarder pour comprendre est-ce qu'il se passe quelque chose en dessous. Et on aura tous ces paramètres qui nous permettent de dire, oui, voilà, médicalement parlant, scientifiquement parlant, il n'y a pas de danger, prenez-la. Oui, il y a un risque de danger, puis il faut changer, je dirais, de technique et de méthode contraceptive. À partir de quel âge les jeunes filles peuvent commencer à prendre la pilule? Dès qu'elles ont leurs règles. Oui, je ne crois pas qu'il y ait de... Voilà, dès qu'il y a pas de main, dès qu'il y a règles, on peut commencer à prendre la pilule. Après, c'est pourquoi on va la prendre? Parce que dès qu'il y a règles, bon, il n'y a pas obligatoirement rapport, mais il y a peut-être problème de douleur, problème de dysménorrhée, on appelle ça une dysménorrhée, problème de syndrome prémenstruel, problème de rythme très irrégulier. Voilà, après, c'est comment je le vis. Parce qu'il y a des gens qui vont le vivre, même si elles ont mal, vont dire, bon, moi, je préfère ne pas prendre la pilule. Donc, ça peut être une indication de pilule. C'est pourquoi je vous dis que la pilule n'est pas obligatoirement donnée dans le rôle qu'uniquement dans la contraception. Voilà. Dans votre exercice au quotidien, comment vous traitez tout ça, Ben c'est vrai que moi, je vous dis, je ne suis pas un expert de la pilule dans la prescription. Les gens, effectivement, viennent me voir dans l'expertise de savoir est-ce qu'il y a un risque ou pas. Je dirais, dans la démarche de dire qu'est-ce qui se passe en dessous, je dirais, pour aller faire un bilan de terrain d'imprégnation œstrogénique et voir ce qui se passe. Et j'ai d'excellents contacts avec des confrères gynéco, et je peux effectivement leur dire, voilà ce que j'ai trouvé, et on instaure un dialogue, voilà, parce qu'ils connaissent des choses que moi, je ne connais pas. C'est leur job, connaître toutes les pilules, les climats, le dosage, etc., etc. Voilà, donc c'est un véritable partenariat qui permet effectivement d'installer les choses. C'est dans cette vision-là que je la vois. D'ailleurs, en Martinique et en Guadeloupe, cet examen... D'imprégnation estrogénique peut se faire. Peut se faire, ça se fait sur une prise de sang, ça peut se faire. Donc, et puis il y a des médecins qui savent très bien l'interpréter, il n'y a pas que moi qui sache l'interpréter, et il y a des gynécologues aux Antilles qui s'y sont effectivement aussi mis et donc qui savent effectivement. Surtout en Guadeloupe. Voilà, surtout en Guadeloupe. Et j'espère qu'en Martinique, ça ne devrait pas tarder, voilà, donc les sensibiliser à ce type de bilan. Qui permet effectivement d'avoir, de voir d'abord, avant d'avoir le trouble. Quand vous parliez de projet de grossesse, cet examen dont vous parlez, il peut aussi concerner le père. Voilà. Alors là, la priorité, c'est vrai, nous, c'est de sensibiliser en se disant, ok, je prends quelque chose qui est vraiment... Zéro danger, innocuité totale.
parce que j'aurais été regardé. Je prends quelque chose qui répond à ma demande, parce que je ne veux pas d'enfant. Mais derrière, il faut penser, surtout les femmes jeunes, elles auront envie d'un enfant. Mais un enfant, bon, jusqu'à nouvel ordre, hein, pour l'instant, bien qu'on puisse faire effectivement des fécondations in vitro, mais on a besoin effectivement, si c'est un couple, d'avoir les déficits des deux parents. Parce que je vous ai dit que la pilule, elle est très fortement consommatrice de certains minéraux, dont la B3, dont la B9, la B6, le zinc, la bêta-carotène, etc. Donc c'est important. Et c'est pour ça qu'on parle, c'est quelque chose sur lequel nous allons revenir pour sensibiliser, on parle vraiment d'une vraie consultation de périconception. C'est-à-dire d'anticiper, je dirais, la femme qui va dire « Tiens, moi, dans 3 mois, je vais arrêter ma pilule parce que je vais effectivement... » Et faire un vrai bilan de périconception, d'accord ? On peut déjà faire des choses au niveau classique, d'accord ? Et on peut faire des choses au niveau de la biologie nutritionnelle, c'est-à-dire aller plus loin. Mais on doit savoir le statut en vitamine B9, c'est... voilà, c'est, pour moi, c'est incontournable. La base. Incontournable. Pour moi, on ne doit pas donner un complément alimentaire comme ça sans avoir à dire est-ce que mon statut en B9 plasmatique, l'apport est bon, la B9 érythrocytaire, est-ce que ma B12 est bonne, déjà, est-ce que mon homocystéine, bon, qui a un petit peu la fonctionnalité des autres, d'accord ? Et puis regarder les paramètres classiques. Et puis aller plus loin, parce qu'on sait qu'il y a un statut qui est important pour la grossesse, c'est certes. Tout ce qu'on appelle les donneurs de méthyle, dans lesquels vous avez la B2, vous avez la B6, vous avez la B9, vous avez la B12, vous avez le zinc. Donc c'est toute une série de minéraux importants. Pourquoi c'est important ? Parce qu'il y a une déméthylation drastique avant la transmission des gènes, qu'ils soient au niveau de l'ovule ou du spermatozoïde. Et s'il n'y a pas une reméthylation quand c'est nécessaire, on peut avoir ce qu'on appelle des programmations métaboliques, d'accord ? Héréditaires, épigénétiques. D'accord ? Deux transmissions héréditaires. Donc ça paraît un peu complexe, mais ça veut dire que ce sont des choses qui peuvent être gravées, je dirais, dans le gène, sans avoir une malformation du gène. L'expression. Voilà. Donc c'est la problématique de l'expression sans la structure. Et donc c'est important de s'en occuper. Et après, vous avez pendant toute la grossesse des phénomènes de méthylation et de déméthylation. Et puis après, même quand on est, d'accord ? On a encore des phénomènes de méthylation et de déméthylation. Donc on sait que tous ces minéraux sont importants. Et puis une autre chose, un minéral qui est capital, je dirais, pour la mère, mais derrière pour le futur bébé, c'est le DHA. Hein, c'est pas la DHEA, le DHA, qui est l'acide docohexanoïque, qui est un acide gras particulier pour le développement cérébral. On ne peut pas avoir des développements cérébraux. Et puis il y a deux minéraux qui sont des minéraux à part, mais on reviendra dessus, qui sont l'iode et le fer. Ils sont des minéraux qu'on ne doit pas donner l'argamanu, ce sont des minéraux qu'il faut doser, hein, parce que s'il n'y a pas assez de fer, il faut en donner, mais s'il y a assez de fer, ça ne sert à rien de donner du fer, et encore plus quand il y en a trop. Et puis l'iode, quoi, qu'il ne faut pas donner de façon systématique. Et c'est le dernier trimestre. Il faut en donner très tôt, parce qu'il faut savoir que si la mère n'a pas assez d'iode, l'enfant va tout prendre, et la mère peut effectivement avoir des problèmes. Et l'iode, si on a un déficit en iode, une carence, pas un déficit, eh bien ça donne le crétinisme. Donc ça veut dire que c'est irréversible. Donc on est obligé de doser après tous ces paramètres pour pouvoir savoir le statut micronutritionnel de la personne. Donc on peut faire un bilan classique, et à côté de ça, on peut faire un bilan, qui est un bilan qu'on appelle de périconception, dans lequel il y a le statut en acide gras, là, et tous ces minéraux dont je viens de vous parler, dont le DHA, l'iode, le sélénium, qui peut être à lui tout seul, par exemple le sélénium, un facteur de risque de fausse couche. Voilà. Et donc, vous avez la B9, vous avez la B12. Et puis, alors, chez les hommes, il est intéressant de rajouter une chose importante, surtout quand ils ont ce qu'on appelle des spermatozoïdes qui sont un peu... voilà, ils ont des asténospermies, comme on dit. Hein, eh bien, de doser le coenzyme Q10, parce que le coenzyme Q10, c'est quand même une molécule importante dans la chaîne respiratoire pour la vitalité des spermatozoïdes. Donc, tout ça, on le dose, et comme c'est un couple, il faut faire les deux. Parce que dans les problèmes de désir d'enfant ou de difficulté d'avoir un enfant, ben, c'est deux personnes hein, qui se réunissent, donc il faut s'occuper des deux personnes. Oui, parce que pendant très longtemps, l'absence de grossesse dans un couple était
posée que sur la femme comme un péché originel. Oui, tout à fait. Et les hommes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne veulent même pas faire l'espératogramme. Hein, Bien sûr, mais c'est un problème de couple. Mmh. Ça veut dire qu'une difficulté d'avoir un enfant, ou une impossibilité d'avoir, alors que la femme aura fait les examens pour voir si du point de vue mécanique, il n'y a rien. Après, c'est toujours à deux. Et puis, l'homme doit faire effectivement son spermogramme, spermocytogramme. Et puis, en plus, après, il faut aller regarder. On peut avoir de nombreux problèmes qui peuvent être liés à des déficits qui peuvent être des causes de difficultés, je dirais, de grossesse. Hein, parce qu'il faut non seulement qu'il y ait la fécondation, après qu'il y ait une nidation. Voilà, donc il y a tout un processus au niveau de la grossesse qui est important à s'occuper. La nidation, c'est la fixation de l'œuf sur la paroi. Voilà. Donc, on a beaucoup parlé effectivement de la pilule, mais derrière toute pilule, penser qu'il y a peut-être un projet de grossesse et l'anticiper. Parce que même si la pilule est bien prescrite, même si elle n'a pas de contre-indication, elle a un coût métabolique. D'accord ? Et ce coût métabolique peut entraîner des déficits. Et quand il y a ces déficits, eh bien, ça peut faire une grossesse, même si elle se passe bien. D'abord, une grossesse à risque, qui peut entraîner tout de suite des avortements, des fausses couches. Et puis, potentiellement, des problèmes pour le futur bébé adulte. Vous les recevez tous les deux, en général les couples? Ah, en général, ils ne viennent pas d'emblée tous les deux. Hein. Faut demander à l'homme de venir. Hein. Ouais. Ouais, ils ne se déplacent pas comme ça. Hein. Ouais. Ouais. Mais c'est comme ça. Hein. Mais ils ne viennent pas d'emblée. C'est la femme qui vient, souvent la femme. Donc je dirais, dans 60% des cas, la femme vient seule. Quoi. Ouais. Parce que, quelquefois aussi, quand l'homme accompagne la femme, vous proposez de faire l'examen de périconception, et il dit, mais c'est pas moi, c'est elle qui le porte, pourquoi je devrais faire quelque chose aussi? Tout de suite, il prend du recul en se disant, si jamais ça marche pas, ça pourrait être moi. Bien sûr, mais on est... Culpabilise, hein. Moi, je pense que maintenant, de plus en plus quand même, l'homme s'implique. Moi, je dirais que les gens qui viennent me voir dans ce cadre-là, ils ont déjà vu mes confrères gynéco, ils ont déjà fait les bilans, donc on sait que les choses sont carrées, qu'il n'y a pas un problème, je dirais, au niveau physique, de trompe, etc. Il n'y a pas... Voilà. Donc, on va travailler sur l'optimisation, je dirais, des besoins. Et donc, automatiquement, je dirais, la graine qui va être plantée, c'est la spermatozoïde. Il faut s'assurer qu'elle ait aussi tous ses besoins. Et il faut s'assurer de la terre qui a tous ses besoins. Donc, j'explique à la femme, même si elle vient seule. Et du coup, ça devient une histoire à deux, de graines. Est-ce qu'elle a tous ses besoins? Et de terre, est-ce qu'ils ont tous ces besoins pour optimiser effectivement la plante qui est le futur bébé de demain? Voilà. Ah ben, on n'a jamais parlé de la pilule comme ça en Martinique et en Guadeloupe. Hein. Bah, on dit aussi d'ailleurs. Ouais, mais... Non, parce que la pilule, c'est quelque chose de tellement commun. Comme vous dites, les gens oublient que c'est un médicament. Ça, vous soulevez quelque chose de fondamental. Ils oublient que c'est un médicament. D'ailleurs, quand je pose, les gens qui ne viennent pas pour la pilule, qui viennent me voir pour toute autre chose, quand je fais mon interrogatoire, je demande, voilà, en même temps, c'est même amusant, vous prenez un médicament? Mais souvent, non. On répond non. Vous prenez la pilule, oui. Vous prenez la pilule, oui. Donc c'est très marrant. On oublie que c'est un médicament, je vous dis, pilule égale bonbon. Non, c'est un médicament. Et c'est un acte médical. Hein. Donc c'est un vrai acte médical. Hein. Donc je pense que vos propos ont sûrement entraîné des prises de conscience. Hein. Donc les femmes qui prennent la pilule n'ont plus la regarder de la même façon. C'est un médicament. Et si jamais ils ont des signes apparemment bénins en prenant la pilule, pour lesquels un bilan classique n'apporte pas de réponse, eh ben, elles vont... Sachez qu'effectivement, qu'il y a des professionnels de santé en Martinique, il y en a en Guadeloupe, voilà, qui savent ce que c'est que l'imprégnation œstrogénique, qui la rechercheront, savoir est-ce qu'elle est normale, est-ce qu'elle est atypique, quel type d'atypie, et en fonction de ça, la prendre en charge, si c'est possible, ou vous dire « c'est pas possible », là, parce que le risque que vous avez ne peut pas être géré, effectivement, par un médicament ou un complément, il faut enlever. C'est comme si je suis en train de vous serrer la gorge, bah, pour que vous ayez une chance de respirer, il faut que j'arrête de serrer. Hein. Donc il y a des fois où il faut arrêter la pilule. Je dis, il y a des fois. Ouais. Hein. J'ai pas dit toutes les fois. Il y a des fois où c'est nécessaire. Mmh. Alors apparemment, on ne voit rien. Apparemment, on ne voit rien. Mmh. Louis, eh ben, merci pour... toutes ces nouveautés. Ah oui, c'est toujours un plaisir. Nos compatriotes des Antilles et de la Guyane. Ouais. Vous savez que vous êtes attendu chaque fois avec beaucoup d'impatience.
Moi, je sais que c'est toujours un plaisir de vous voir. Alors, le mois prochain, ben, nous tenterons d'apporter des informations complémentaires. Peut-être que vous parlez de la période Saint-Pierre le mois prochain. Non, je ne sais pas. On va peut-être revenir sur le tube digestif, parce qu'il y a une grande demande, justement, en ce moment. On reviendra sur le tube digestif, vraisemblablement. Merci beaucoup de votre présence, merci pour ces informations, merci à nos téléspectateurs et nos téléspectatrices qui ont dû être nombreuses à vous regarder et à vous écouter. N'oubliez pas que demain aussi, vous pouvez vous revoir l'émission dimanche à midi, alors qu'aujourd'hui c'est 13h, samedi 13h, dimanche midi, vous pouvez revoir l'émission. Je vous souhaite un bon week-end, un bon carnaval et puis à la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir.